Un joli défi comme celui relevé par les futurs ingénieurs de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, en ce moment même à l'Axone. C'est l'Innovation Crunch Time où vous vous trouvez, Maxime Menneveau. Bonjour. Bonjour Florence, eh bien écoutez, ici à l'Axone à Montbéliard, ça phosphore sec. Plus de 1600 élèves ingénieurs sont rassemblés ici, regardez, dans cette fosse de l'Axone qui d'habitude reçoit plutôt des rencontres sportives et des concerts. Eh bien là, donc, ce sont 1600 élèves ingénieurs de l'UTBM, l'Université technologique de Belfort-Montbéliard, qui est réunie ici. Alors l'objectif, c'est de trouver des solutions à des sujets industriels. Environ 150 sujets ont été distribués aux étudiants hier et ils ont désormais 3 jours pour trouver des solutions, par exemple sur le photovoltaïque ou encore sur la locomotive de demain. Les industriels, eh bien, ce sont PSA, ce sont Alstom, et ils vont ensuite eh bien, récompenser ces étudiants qui peut-être trouveront ainsi un débouché professionnel à l'issue de ce crunch, une première en France, ici à Montbéliard.